Et en parlant de notre environnement, parlons de sa mise en valeur à travers deux concours organisés par la ville des Abîmes. Et pour nous en parler ce soir, nous avons Madame Christine Houblon, élue chargée de l'embellissement de la ville des Abîmes. Elle est aux côtés d'Aurélie Martineau, qui est chef de projet, toujours dans cette même ville des Abîmes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Et alors, bonsoir à tous les téléspectateurs et les remerciements de la ville des Abîmes et du maire de la ville, Éric Jalton. Alors, donc, Éric Jalton qui a validé donc deux concours assez spéciaux. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Je vais laisser le soin tout à l'heure à Aurélie Martineau de vous présenter ces deux jeux concours, mais c'est le maire lui-même qui a demandé à mettre en place ces deux jeux concours. Ça montre bien la volonté du maire des Abîmes de préserver la biodiversité, de faire en sorte que la nature reprenne de la place dans l'intérêt de la santé de la population après cette période, enfin après, c'est encore toujours là, la Covid. Hein. Donc vous voyez un peu comment le maire des Abîmes est véritablement soucieux de préserver la santé de ses habitants et de la Guadeloupe tout entière, mais qui plus est, en les impliquant dans des actions. Et au travers de ces concours-là, on va voir comment le maire implique les citoyens abîmiens dans les actions de préservation de la biodiversité. On voudra savoir s'il a la main verte aussi. Je pense que peut-être que oui, mais on va lui demander ça. On va lui poser la question. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux concours donc? Alors, les deux jeux concours. Le premier, c'est le jeu concours photo qui s'intitule « Le plus beau, remarquable et majestueux arbre des abîmes ». Le deuxième jeu concours, c'est « Le plus beau jardin créole traditionnel ». Alors, les inscriptions, c'est jusqu'au 25 avril, donc c'est la semaine prochaine. On va détailler quand même les deux concours. D'accord. Donc, vous parlez d'un concours photographique, donc dans un premier temps, et on doit immortaliser des arbres, donc. Alors, c'est ça, qui sont sur le territoire des Abîmes. Et donc, dès que vous voyez un arbre majestueux que vous avez remarqué, je ne sais pas, en roulant, par exemple, ou en marchant, eh bien, vous pouvez aller voir le propriétaire du terrain, ou même tout simplement sur votre propre terrain, et vous le prenez en photo. Et là, vous pouvez participer. Mais qu'est-ce qui détermine? Ça peut être l'âge, le fait qu'il soit centenaire plusieurs fois, ça peut être le volume, qu'est-ce qui va compter? Ça peut être l'âge, effectivement, ça peut être aussi la localisation, parce que s'il est dans une forêt, il sera peut-être un peu moins mis en valeur. Si par exemple il est au milieu d'un parking, c'est-à-dire qu'il faut peut-être plus se protéger. S'il y a une histoire, c'est-à-dire s'il y a des gens qui ont tendance à se réunir autour de cet arbre pour faire des activités, ça le rend encore plus remarquable. C'est-à-dire qu'il y a une histoire derrière cet arbre-là. Donc il y a l'âge, il y a l'espèce, il y a la localisation, il y a vraiment plusieurs critères qui sont pris en compte. Il y a la beauté de l'arbre aussi. Et il y a l'histoire de l'arbre. Parce que quand vous connaissez un bel arbre, il vous parle, il vous dit quelque chose, vous ressentez, il y a tout cela. Et pourquoi vouloir mettre l'accent justement sur ces arbres? Pour inciter le citoyen à protéger son environnement, donc protéger tous les êtres vivants comme les arbres, les plantes, les animaux, l'homme. Donc développement, effectivement, il faut un développement urbain, mais vous voulez effectivement qu'on fasse plus attention donc à notre nature. Notre environnement, exactement. Ça, c'est l'objectif de M. Éric Jalton et de tout temps. N'oubliez pas que Taonaba, c'est le fleuron de la biodiversité aux Abîmes. Exact, effectivement. Donc il y a vraiment un axe éco-responsable, on va dire, axé sur l'environnement aux Abîmes. Il faut que ça perdure, c'est important. Donc premier volet du concours, ce concours photo. Deuxième volet, c'est le plus beau jardin créole traditionnel. Donc là, cette fois-ci, c'est chez vous, si vous avez un jardin, donc que ce soit en pleine terre ou sur une terrasse ou que ce soit un jardin collectif, eh bien, la ville des Abîmes a décidé de mettre en valeur ces jardins-là parce qu'il y a toute une histoire et aussi parce que ça a une importance. Il faut les protéger, il faut aussi les mettre en avant et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place ce concours. Les critères pour le jardin? Alors, ça va être la diversité, parce que forcément... Beaucoup de plantes, il faut... C'est ça, beaucoup de plantes, et puis que ce soit vivrier, ornemental ou aussi médicinal, parce que c'est aussi ça, le jardin créole. Si c'est que vivrier, on est plus sur un jardin créole. Il faut qu'il y ait cette diversité de plantes. Après aussi, c'est l'harmonisation, le visuel, parce qu'il y a le jardin créole, il y a un arrangement bien particulier qui est fait. Mais si on est en permaculture, bon, ça peut partir un peu dans tous les sens. Oui, aussi, mais après, il y a plusieurs critères. C'est ça, il faut qu'il y ait une esthétique. Et après, il y a aussi comment on utilise l'eau, les engrais, c'est-à-dire s'il y a des pesticides qui sont utilisés, c'est sûr que ça va être, il y aura des points négatifs. Mais si on fait un compost, par exemple, les engrais qu'on utilise, plus ils sont naturels, plus ce sera mis en avant et plus il y aura de points pour le participant. D'accord. Donc c'est l'aspect naturel qui prime et qui donne le plus de points. C'est donc ça ne sert à rien de traficoter, il faut que ce soit issu de la terre. Tout va dans le sens de la préservation de la nature,
de la biodiversité et de vraiment, vraiment, vraiment le côté durable. C'est important. Le développement durable, c'est important. Comme elle dit Aurélie, la personne qui utilise du compost pour alimenter ses plantes, eh bien, ça fait des points en plus. Dans tous les cas. Parce qu'aller chercher des petits engrais en magasin, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Alors, moi, hormis le concours, je vais vous annoncer que j'avais une petite question à vous poser. C'est qu'on s'attarde effectivement beaucoup sur la nature. Vous êtes en charge de l'embellissement de la ville, donc on sait que les fleurs sont importantes. Ça permet aussi de faire revenir aussi les abeilles, donc c'est tout bénef. Mais il y a aussi les arbres fruitiers. Pourquoi on ne se dirige pas vers des plantations un peu d'arbres fruitiers aussi communaux, je ne sais pas. Alors je vais vous dire une chose. Lorsque M. Éric Jalton m'a confié cette délégation, vous savez que la première chose qu'il m'a demandé, de planter des arbres fruitiers dans la ville. Seulement, on est un peu stoppé par la Covid qui, depuis 2 ans, nous empêche d'avancer. Mais c'était la première demande de M. Éric Jalton. Planter des arbres fruitiers dans toute la ville. Parce que les fleurs, c'est bien. Mais notamment les fruits, c'est sur le monde de la mémoire, vous voyez, dans toute la ville. Donc, voilà. Concours organisé. Et qu'est-ce qu'on gagne dans ce concours? Alors, des honneurs? Le premier prix, c'est 1 000 euros en espèces. Ah, quand même. Et les 10 lauréats de chaque concours seront récompensés. Donc en tout, il y a 20 personnes qui seront récompensées sur les 2 concours en tout. D'accord. Mais vous aurez quand même un nombre conséquent de participants. Bien sûr. Vous acceptez tout le monde dans tous les cas. C'est la raison. Tous les résidents abimiens des arbres et des jardins qui sont sur le territoire abimien. D'accord. Donc c'est spécial Abîme quand même. Hein. Quand même des prix monnaie de 1 000 euros. Hein. Oui. Charité bien ordonnée commence par soi. Le maire des Abîmes veut véritablement inciter sa population, ses habitants, ses résidents, à développer ce type d'action. Et c'est la raison pour laquelle il met dans ce domaine-là les moyens pour que les gens puissent concourir, donc s'impliquer. On est d'accord effectivement qu'un arbre centenaire, voire bicentenaire, n'a pas de valeur. Donc a priori, c'est très bien d'encourager effectivement ce genre d'opération. Au niveau de la stèle. Oui. Et comment on va articuler tout ça? Comment va s'articuler le concours? C'est-à-dire les dates d'inscription? Les inscriptions, c'est jusqu'au 25 avril. Et les dossiers d'inscription, vous pouvez les retrouver donc, à la mairie ou aux annexes. Et sinon, vous pouvez retrouver les dossiers d'inscription sur le site internet www.abim.fr. Et sur le site internet, vous aurez la présentation et le règlement des 2 jeux concours. Et il faut faire attention que pour le concours le plus beau, remarquable et majestueux arbre des Abîmes, il y a un document supplémentaire qui est la fiche technique où justement on va demander aux candidats de préciser toutes les informations au sujet de l'arbre, qu'est-ce qu'ils trouvent remarquable. Donc vous savez qu'il y aura dossier d'inscription plus fiche technique pour le concours arbre et pour le concours jardin, il y aura seulement le dossier d'inscription. Et ensuite, ils souhaitent avoir plus d'informations, ils peuvent nous appeler au 05 90 68 37 73 ou 06 90 35 02 24. Et le mot de la fin pour Madame Houblon? Moi, j'ai envie de dire que nous incitons tous les résidents qui veulent participer à ce concours, et j'espère qu'ils seront très nombreux compte tenu, Aurélie l'a dit, des nombreux prix qui sont mis en exergue. Mais en dehors de cela, c'est partir à la recherche du plus bel arbre, du plus ancien, du plus majestueux, de celui qui vous touche pour que ça puisse demeurer vraiment un moment important de la ville et ça partira dans les circuits touristiques. On aura une stèle, la personne qui aura gagné le premier prix pour le plus bel arbre, eh bien, il y aura une stèle et ce sera un coin touristique qui sera visité par la suite. Bon, bien évidemment, Aurélie le dira, si cet arbre-là n'est pas sur la propriété de la personne qui concourt, il faudra avoir l'autorisation du propriétaire. Pour les jardins, c'est aussi la même chose, parce que se nourrir de manière saine, c'est important de pouvoir avoir votre petit jardin, même sur les balcons, elle a dit Aurélie, même sur le balcon, on peut avoir des plantes médicinales, planter ses tomates, son persil, ses cives, etc. On peut donc avoir un jardin créole traditionnel. Donc, on incite les personnes à participer en nombre, et le samedi 21 mai, ce sera une journée de fête à Taonaba, vraiment, le fleuron de la biodiversité aux Abîmes, où depuis le matin, 8h, il y aura le marché, il y aura des ateliers. Je vais laisser Aurélie dire la suite, l'ensemble des choses. Mais ce sera vraiment un moment de bien-être, de partage, et où on ira vers l'avant pour préserver notre santé, pour préserver notre planète, notre ville, et pour aller plus loin dans le bien-vivre.
Alors oui, donc pour Taonaba, il y aura un marché, il y aura des conférences, des ateliers. Donc ça va se faire toute la journée. Et en fin de journée, c'est là qu'il y aura lieu les récompenses. Donc il faudra vraiment venir le 21 mai. Ce sera une très, très belle journée à Taonaba pour l'accueil. Très bien. Et est-ce qu'on sait que la Ville des Abîmes est partenaire, justement? On sait qu'il y a des petits pots pour bébés à base de produits locaux. Tout à fait. Cap Excellence, bien sûr. Justement, vous suivez. Est-ce qu'il y aura une petite présentation ce jour-là? Oui, parce que je vais vous dire une chose, nous avons ces deux concours-là et le président d'un concours, le concours du Jardin Créole, est justement Jean-Luc Cellini qui participe au Petit Pot Pays. Voilà. Je salue Jean-Luc Cellini d'ailleurs qui était mon professeur. Très très bien. On lui passe et le bonjour. Et je ne peux pas ne pas citer notre autre élu qui préside l'autre concours, donc la personne d'Alix Nabajot. Très bien. Voilà. Et vous permettez que je cite deux autres noms. Je m'en voudrais de ne pas les citer. Allez-y. Monsieur Christian Berdier, qui est le directeur de l'environnement et du cadre de vie, à qui le maire a confié la mise en place de ces deux jeux concours. Son chef de service, Rodrigue Ellis, et sans oublier Madame Marinelli Pernel, qui est directrice générale adjointe des services techniques de la ville et qui contribue très largement à encadrer ce projet. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux d'être venues nous présenter ces deux concours qui sont organisés par la Ville des Abîmes. Donc l'un qui consiste à immortaliser le plus bel arbre, le plus majestueux que vous puissiez trouver sur le territoire abîmien, et un autre avec les jardins créoles donc, qui seront mis en valeur. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire peut-être, mais parce qu'on le dira plus tard, tout cela sera fait dans le cadre de la première édition de la Fête des Jardins, de manière à mettre en valeur notamment le personnel. Donc il y aura une Fête des Jardins. La Fête des Jardins, première édition, où on mettra en valeur le personnel qui s'occupe des espaces verts. Merci encore une fois, Madame Houblon.